Jean-François est directeur exécutif conseil stratégique d'une boîte qui s'appelle Laurent, qui tente d'optimiser les processus d'affaires dans le milieu gouvernemental, paragouvernemental, sur la base du Open Government. Cyril, le président d'une boîte qui s'appelle Savoir-Faire Linux, qui est une firme spécialisée en logiciels libres. Marc, j'interviens aussi en tant que président de l'association professionnelle des entreprises en logiciels libres. C'est important, c'est un point très important. Je pense que ce mot n'a pas encore été employé. C'est pourtant un élément essentiel si l'on veut parler du gouvernement ouvert, si on veut parler de sécurité aussi, si on veut parler de collaboration. Parce que, et ça n'est pas une question technologique. C'est juste la capacité qu'on donne aux organisations et notamment au gouvernement, la capacité de maîtriser son système d'information, ses systèmes d'information, les faire interagir ensemble, les faire interagir avec le reste de la société. Et donc c'est un point important. I stand corrected. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé l'intervention du député de Verdun, M. Gautrin. C'est bien sûr, on peut la critiquer, bien sûr, on peut dire qu'elle ne va pas assez loin, qu'elle est trop généraliste et tout, mais ça pose déjà des bons points de départ. On ne sait pas trop ce que ça va être, le gouvernement ouvert. Hein. On peut le voir d'un point de vue marchand. Ah oui, ça va permettre de faire de la business et de créer des tas d'applications pour aller aux données. Mais on a bien l'intuition, tous, que c'est en train de changer profondément au-delà de l'aspect marchand des choses, au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect économique. Sans savoir bien ce que ça va être, c'est tout le pacte social entre le citoyen et l'État qui est interrogé, qui va pouvoir replacer, de quelle manière, on ne le sait pas. Moi, il y a un point que j'ai regretté de ne pas entendre, c'est sur cet aspect-là, sur l'aspect du renouveau de la démocratie, le renouveau de la relation sociale, la relation entre l'État et le citoyen, c'est l'économie locale, municipale. Je pense que la réimplication citoyenne dans ces institutions, grâce aux nouvelles technologies, va commencer par le local. Et c'est un point là que je pense que le gouvernement là, a une voix là, pour commencer les choses. Sécurité, on va l'aborder. C'est pas trop restrictif. Quand on parle de sécurité, de quoi on parle? Alors souvent pour le grand public, ça va être est-ce qu'il y a des virus? Est-ce qu'on va pas être infecté? Ou bien c'est la question de la donnée publique privée. Est-ce que mes données vont pas être exposées sur Internet? Comment les protéger? La sécurité, c'est en fait derrière le gouvernement ouvert. Ce terme, c'est la constitution d'un patrimoine numérique, en fait. L'État, c'est une immense machine à traiter de l'information. Il y a des bras physiques, la police, la justice, mais globalement, le reste, c'est une immense machine avant tout à traiter de l'information. Donc, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs concernée en premier par ce changement, cette révolution des nouvelles technologies de l'information. Et lorsqu'on parle de sécurité, ce patrimoine numérique, c'est 10, 20, 30, 50, 100 ans. Donc, par exemple, un point intéressant, lorsqu'on va stocker des données, est-ce qu'elles seront disponibles dans 50 ans, dans 60 ans? Est-ce que les fournisseurs... Donc, c'est là que j'interviens en tant que président de l'association professionnelle des entreprises dans le logiciel libre. Le logiciel libre, c'est une nécessité pour bâtir les systèmes d'information qui vont bâtir ce gouvernement ouvert, parce qu'elles vont garantir justement la sécurité de l'information. Voilà un petit peu poser les choses. Donc l'aspect démocratie, l'aspect fondamentaux là, du pacte social entre le citoyen et l'État, une réimplication citoyenne, c'est ça que va permettre le gouvernement ouvert. Moi, je suis pas pressé. Il y en a qui pensent que ça doit venir du haut. Probablement, la volonté politique doit venir du haut. Mais je sais que ça pousse très fort. Et pourquoi ça pousse très fort? Parce que ce mode d'organisation, de collaboration, est avant tout très, très efficace. Donc il y a une tension, en fait, qui est en train de se créer, très, très forte. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à l'Internet, grâce à ces nouvelles technologies, on est capable d'être beaucoup plus efficace que le fonctionnement en silo et hiérarchique traditionnel. Donc la pression va s'accentuer année après année. Simplement, il s'agit maintenant de l'organiser politiquement, de l'organiser légalement, les problèmes de droit, les problèmes de licence. Mais moi, je ne suis pas inquiet.
parce que l'efficacité de ces nouveaux modèles organisationnels est telle que, de toute façon, l'État va être amené à s'adapter très vite. Mais écoute, moi, de mon point de vue, j'ai eu la chance dans les derniers mois avec une équipe de conseillers seniors de réfléchir énormément sur justement ces aspects-là de collaboration citoyenne, de participation. Et un des éléments à la base de notre réflexion, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le document, je pense que tout le monde devrait consulter ce document-là, un document qui a été produit dans le cadre du dernier forum économique de Davos, dans lequel le document résume, si vous voulez, la perception de 18 gouvernements à travers le monde, les réflexions, les gens se sont mis autour de la table et là, se sont rendus compte que partout à travers le monde, les enjeux étaient beaucoup plus similaires qu'on pense par rapport aux problématiques de fond que sont le décrochage des gens par rapport au manque, la perte de confiance des gens dans leurs institutions et la perte de confiance à l'égard de leur gouvernement et aussi les enjeux qui sont assez similaires aussi du fait que les gouvernements, devant le dialogue qui s'est établi entre les citoyens, parce que jamais dans l'histoire du monde, on a eu avec autant de possibilités que les gens interagissent directement entre eux. Et ça, partout dans le monde, on l'a vu ce qui s'est passé, la révolution arabe, ça a été déclenché à cause du fait que les citoyens sont aujourd'hui des moyens de communication qui sont exceptionnels, qui font en sorte que l'information circule à une vitesse immense et se crée donc un dialogue et une communauté qui fait en sorte que les gouvernements sont largement laissés de côté dans ce dialogue-là. Donc, massivement, les gouvernements se sont assis autour d'une table et ont commencé à réfléchir sur quelles devraient être les approches, quelles sont les meilleures pratiques au niveau mondial et comment on devrait, quelles sont les recommandations qu'on devrait mettre de l'avant pour justement se donner une stratégie pour vraiment adresser ça sur le fond. Et si j'arrive au Québec en particulier, le gouvernement du Québec a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années pour commencer à développer, bon, certains services communs. On peut en discuter longuement pour voir de quelle façon ça a été fait. M. Gautrin a été le premier à mettre sur la table en 2004 un peu des éléments de vision sur comment la prestation de services publics devrait se réorganiser. Mais essentiellement, on constate que ce travail-là, comme moi, je porte beaucoup de confiance dans ce que M. Gautrin a parlé ce matin, parce que là, il semble y avoir l'émergence d'une véritable volonté de se donner une vision pour faire en sorte de rétablir les choses puis de faire en sorte de se donner une stratégie d'affaires commune. Parce que la réalité, tu le sais comme moi, Cyril, c'est que le gouvernement du Québec, c'est un ensemble de ministères organismes qui ne se parlent pas beaucoup. C'est beaucoup des silos, ça tout le monde le reconnaît. Et le problème qu'on a vécu, c'est que n'ayant pas une vision d'affaires commune sur comment on doit se réorganiser pour faire face à ces enjeux-là, bien évidemment, ça a donné ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je pense que l'idée qui a été amenée tout à l'heure en conférence du gouvernement comme une plateforme collaborative qui est basée sur les principes du gouvernement ouvert, c'est une puissante idée. Et je veux juste vous en parler un petit peu. Moi, la vision que j'ai par rapport à ça, c'est le gouvernement ouvert, c'est quoi? Le gouvernement ouvert, c'est le principe de dire que l'information, maintenant, elle est partout. Et on se doit d'aller se mettre en mode de collaboration pour aller chercher cette information-là partout. Mais comme disait, on faisait référence à l'heure aux vidéos de David Cameron, que j'ai mis d'ailleurs sur un site, sur LinkedIn, sur Gouvernement ouvert, qui est un site d'échange et de discussion là-dessus. David Cameron, le fondement qu'il explique, puis je suis plutôt d'accord avec lui, c'est le principe que l'information, c'est le pouvoir. Et c'est le pouvoir de rendre imputables les décideurs publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, à partir du moment où on diffuse de l'information de façon ouverte, sur l'information qu'on a dans les systèmes publics à travers des principes d'open data, ces choses-là, on permet la création d'applicatifs à valeur ajoutée, puis on permet aux gens d'être informés sur aussi la performance des services publics. L'exemple de Cameron est très, très fort. À Londres, ils ont réussi à réduire les taux de mortalité en chirurgie cardiaque de 50 % dans un an. Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est pas une invention. Comment ils ont réussi ça et surtout pourquoi ils l'ont réussi? C'est parce qu'ils ont publié la donnée factuelle de taux de réussite des chirurgies cardiaques par hôpital. Et là, les gens ont pu créer des applicatifs avec qui ont donné l'information aux citoyens de pouvoir choisir le meilleur service.
Et ça, donc, cette notion-là de publication de l'information par l'open data pour tirer vers le haut la performance de l'administration publique, je pense qu'il y a quelque chose à construire autour de ça, parce qu'évidemment, l'information aujourd'hui, comme je le disais, c'est le pouvoir. Oui. Et pour compléter nos propos, c'est aussi voir le gouvernement ouvert comme un profond levier de transformation. Absolument. De l'État. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on ne on mesure pas assez. C'est que dès qu'on met en place, le jour où M. Gautrin annonçait la mise en place d'une sorte de plateforme sociale, de réseau social au sein du gouvernement, il ne mesure peut-être pas l'effet que ça va avoir au sein des organisations d'État, parce que ça va profondément changer un certain nombre de fonctionnements, et puis ça va mettre en cause toute une série de rapports de force. Parce qu'il faut voir, ces fonctionnements en silo, ils sont pas là par hasard. C'est-à-dire que c'est un mode d'organisation politique, c'est-à-dire que il va y avoir des baronnies, hein, on nomme un gouvernement, on va distribuer des portefeuilles à un certain nombre de personnes de puissance dans la société, qui auront chacun leur... C'est pour ça que c'est cloisonné, hein. Mmh. Parce que l'État, ça a été cloisonné parfaitement pour donner à un groupe social. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Étienne. Tu connais bien l'État, mais ça fonctionne comme ça. Donc ça va bouleverser finalement un mode de fonctionnement traditionnel. Ça, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il faut y réfléchir. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, puis je suis content du forum d'aujourd'hui dans lequel on commence vraiment à mettre sur la table les éléments stratégiques de notion de gouvernement ouvert, mais il faut être conscient que quand on parle d'ouvrir la donnée publique, d'initier un dialogue, effectivement, ça a des conséquences très, très, très concrètes sur l'organisation qu'on gère. Donc, on ne peut pas s'engager là-dedans à la légère sans avoir vraiment en avant de soi tous les éléments qu'on doit avoir pour décider, pour aller de l'avant. Et c'est bon pour le gouvernement, mais c'est bon, évidemment, pour chacun des ministères-organismes. La gouvernance de la donnée dont on parlait tout à l'heure, elle est pertinente et elle est nécessaire. Et ça devrait être la première étape de la définition d'une stratégie. Comprendre que l'on gère l'information maintenant. On devrait mettre moins d'énergie à gérer peut-être, quoi qu'on doit le faire, l'informatique, mais comprendre qu'est-ce que c'est le rôle de la définition de la gouvernance de l'information, puis se donner les structures pour faire en sorte que les gens qui s'occupent de ces questions-là à l'intérieur des organisations aient les leviers nécessaires, soit à la table de décision, et fasse en sorte qu'on puisse structurer la prestation de services autour des besoins de cette gouvernance-là. Alors, j'aimerais quand même pointer, on parle de gouvernement ouvert, il peut y avoir plein de sortes de gouvernements ouverts. Ah, tout à fait. Celui qui nous a été présenté ce matin, je dirais esquissé, c'est dans le fond, c'est on reste pareil, mais on va ouvrir une interface qui va permettre à des compagnies privées de s'approprier les données publiques et de les redistribuer sous une forme mercantile. Parce que ces entreprises vont devoir financer leur investissement. Oui et non. Il y a quand même des groupes de citoyens et des individus qui prennent des données ouvertes aujourd'hui et qui en font des applications. Là. Et les silos à l'interne aussi là, qu'on permet là, de d'éliminer. Là. On va voir. Parce que on sent bien le potentiel. On voit bien que ça peut le faire. Mais dans le fond, souvent Microsoft, c'est comme ça qu'il le présente. Dans le fond, c'est d'abord de la business. Hein. Les gouvernements ouverts, d'après moi, c'est autre chose. Ça peut être autre chose. Ça va être ça. Ça va créer des formidables richesses. Ouais. Mais ça doit être aussi un outil majeur, à mon avis, me semble-t-il, pour réimpliquer le citoyen. Dans la vie citoyenne, excusez-moi, de ce terme, et c'est un élément essentiel. Il y a des choses comme, on parlait de fracture, le député Gautrin parlait de fracture numérique, elle existe. À une heure de Montréal, on a de la difficulté à avoir l'accès à Internet. Donc est-ce qu'au Québec, on est prêt à mettre en place ce gouvernement ouvert alors qu'on a encore beaucoup de difficultés à accéder à Internet à une heure de Montréal, que ça coûte très très cher, même à Montréal? C'est une première question. Est-ce que la question du gouvernement ouvert, c'est une question de réappropriation collective de tout ce qui est de l'informatique libre. C'est redonner ses moyens technologiques aux citoyens pour lui permettre de repenser la démocratie, son application dans les villes, jusqu'à dans l'État. De quelle manière, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, ça va se mettre en place peu à peu. Les problèmes ne sont pas simples. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va transformer l'État profondément, même dans sa manière d'être.
Donc, c'était un point que je voulais quand même avancer. Mais, Cyril, je veux juste un peu renchérir là-dessus. Puis, quand on parle du gouvernement ou d'un ministère comme une plateforme collaborative, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du principe de base que la première étape ou une étape fondatrice, comme on le voyait tout à l'heure dans l'exposé, c'est le principe de rendre publique la donnée. Pourquoi? Parce que le gouvernement, comme tu le disais tantôt, a un énorme patrimoine informationnel qui actuellement dort en grande partie dans des serveurs qui est largement sous-utilisé. On a investi dans les dernières années, tu le sais comme moi, des milliards de dollars dans des systèmes d'information. On n'a pas juste payé des consultants là-dedans, on a développé des systèmes qui ont énormément d'informations qui sont pertinentes, qui peuvent être mises à profit pour créer de la richesse. Et ça, si on pousse plus loin le modèle, ça veut dire que l'État, dorénavant, les États du futur devront s'appuyer sur le fait de rendre publique cette donnée-là et d'arrêter de développer des services qui sont toujours plus compliqués pour répondre à des demandes de citoyens qui sont toujours plus exigeants, et c'est normal. Donc, l'État se concentre maintenant sur le rôle de livrer cette donnée-là et permettre la création de richesses. Puis, quand on pense à l'industrie qu'on pourrait créer avec cette décision-là gouvernementale d'ouvrir les données, allons-y, on peut hypothéser facilement, quand on parle de plusieurs milliards par année qui est investi dans les systèmes d'information, on peut penser facilement qu'il y a une industrie de plusieurs centaines de millions, sinon quelques milliards de dollars qui pourraient être créés là-dedans. Donc, un, ça va coûter moins cher au gouvernement parce que par rapport à ce qu'il fait présentement, c'est des économies très importantes qu'il va pouvoir aller chercher en arrêtant de faire des systèmes d'information pour la prestation de services. On s'entend, là, je ne suis pas en train de dire que le gouvernement va arrêter de se donner de système de mission pour gérer sa business. Je ne suis pas en train de dire que le ministère du Revenu va se faire en open data. Ce n'est pas de ça dont on parle. Non. C'est important de faire la part des choses. Là. Open data, l'open gov, il faut démêler ça. Parce que c'est très confus actuellement. On en parle, il y en a qui disent, bon, tout le monde a sa définition. Mais si on regarde ce qui se passe sur le plan mondial, qu'on regarde comment les États globalement l'abordent, puis on regarde ce qui se passe avec l'Open Gov Partnership, entre autres, il y a des éléments de fond qui ressortent, des définitions qui sont très claires. Il y a des pratiques qui se sont mises en place dans les deux dernières années suite à l'initiative d'Obama. On regarde ce qui se passe en Angleterre, en Australie. Le problème souvent au Québec, c'est qu'on regarde beaucoup trop ce qu'on fait nous et on ne regarde pas assez comment on pourrait s'inspirer de ces meilleures pratiques-là. Mais le principe de mettre à profit la donnée publique puis que l'État se concentre dorénavant sur rendre de la donnée de qualité, qui a une pérennité et qui est là pour rester, pour que les gens, le lendemain matin qu'on fait l'open data, tu sais très bien, si tu décides de mettre un set de données disponibles puis que trois semaines plus tard, tu retires, ça marche pas. Là. Tu peux pas remettre le génie dans la bouteille. Il faut absolument que tu sois conscient du fait que c'est un mouvement qui est irréversible, moi j'en suis convaincu, mais il faut que ça te prenne une stratégie pour arriver là. Puis oui, il y a des changements importants sur la gouvernance, sur la façon de structurer l'offre de services publics. Et j'aimerais moi en profiter pour, vu qu'on a des gens, là, entre autres là, pour le logiciel libre, moi j'ai beaucoup accroché sur la question mercantile tantôt, peut-être je le vois d'une manière péjorative, mais j'entends par là, tantôt je le disais, si Microsoft est rendu là, c'est les lois de marché qui l'amènent là. Moi, quand je vois le modèle, quand je vois les API, la plateforme un peu là, qui vient d'être définie, moi, j'ai l'impression que nécessairement, tout ce que je vois me semble toujours aller vers des standards ouverts, me semble toujours aller vers, justement, un virage qui naturellement se fera. Les lois de marché peuvent maintenant s'exercer. C'est plus la même informatique que lorsque Microsoft a voulu instaurer son monopole, disons, à une autre époque. Fait que moi, je me dis, mais ce mercantile-là devient intéressant à ce moment-là. Je veux dire, il est justement en train de permettre quelque chose qui était restreint. Je sais pas si j'ai la mauvaise vision là, de comprendre comment ces API-là puis le développement qui s'en suivrait se fait, mais moi, c'est comme ça, je le vois. Pierre-Étienne, je n'avais pas du tout une dimension péjorative. Moi, okay. Je suis chef d'entreprise, okay. Je développe une business, ça va bien pour moi. Avec le libre, on fait beaucoup d'argent. Je suis très, 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 très heureux de ça. Je voulais juste souligner que le gouvernement ouvert, les enjeux ne sont pas seulement là. En tant que chef d'entreprise, moi, je suis très, très content. Je rêve que d'une chose, c'est que non seulement on fasse des annonces du gouvernement ouvert, mais qu'en plus, on le mette vraiment en place, parce qu'effectivement, on aura beaucoup de choses à faire. D'autant plus que je le sais que ça passera nécessairement par des technologies dont je suis porteur. C'est-à-dire qu'on parle de données ouvertes, mais on ne peut pas techniquement séparer la donnée et les applications. Donc, pour moi, c'est évident, et pour beaucoup, ça l'est, on ne fera de gouvernement ouvert qu'avec du logiciel libre. C'est-à-dire, il faut maîtriser son code, il faut aussi, pour pouvoir maîtriser ses données.
Et d'ailleurs, séparer les données, les applications, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc moi, je suis ravi en tant qu'homme d'affaires. Bon. Et je pense qu'effectivement, ça va rendre l'État beaucoup plus efficace. Ça va resserrer autour de ses missions fondamentales. Que toutes ces applications, je pense que c'est très important qu'elles soient gérées par le marché. Par la concurrence telle qu'elle se réalise actuellement sur Internet, c'est-à-dire un marché non pas basé sur la loi du plus fort, mais basé sur la méritocratie, sur l'efficacité, sur la capacité de réagir très très vite aux besoins, sur l'inventivité. Donc tout ça, c'est des points qui sont très très clairs. Bon, merci. Mais je sais par contre aussi, il faut le dire, que d'abord, c'est pour moi, avant d'être une question business, le gouvernement ouvert est une question politique, qui doit être traitée politiquement par les citoyens. Donc il faut donner ce thème, et c'est important, c'est pour ça qu'on en parle publiquement. Là, c'est pas des geeks ou des techniciens qui font ça derrière, là, dans le back-office. Là, cette question intéresse d'abord les citoyens. Aussi, on dit ça, ça intéresse personne. C'est pas vrai, ils sont très intéressés. Il y a des conditions pour pouvoir en parler. Quand la moitié de la population a un accès extrêmement, soit très coûteux, soit inefficace à Internet, ça pose des questions. Peut-être qu'avant d'annoncer une politique de gouvernement ouvert, on va annoncer une politique de fibrage en fibre optique de l'ensemble du Québec et donner les moyens, une réappropriation collective. C'est un point très important. L'essentiel des richesses de nos économies vont transiter par les réseaux dans quelques années. Les États qui ne maîtriseront pas leurs réseaux vont se retrouver dans une situation extrêmement fragile, ne serait-ce que pour organiser ce nouveau marché qui s'en vient. Les États qui n'auront pas développé une politique de soutien à l'industrie du logiciel libre, parce que tout ça, c'est de l'expertise du savoir-faire. Essayez de trouver un développeur Android actuellement sur le marché à Montréal. Accrochez-vous. Et c'est pas par hasard. C'est le fruit de choix technologiques autour d'une vieille économie propriétaire qui nous amène dans une impasse. C'est-à-dire qu'on pourra faire tous les discours qu'on veut sur les tribunes à propos du gouvernement ouvert, et de plein de bonnes volontés. Mais si ça ne suit pas derrière, ça n'ira nulle part. Et moi, les grands discours, ben c'est très bien, je suis content, mais je sais que ça ne suffit pas. Donc ça, c'est des points. D'abord, un réseau de télécommunications en fibre optique, ultra performant, accessible à tous les Québécois dans toutes les régions, parce que c'est aussi un enjeu là, de maîtrise et de développement régional qui est très très important. C'est aussi pour l'économie du savoir, pour l'éducation, en fait, pour toute une sorte de raisons, c'est essentiel. Maintenant, une vaste politique d'utilisation du logiciel libre pour s'approprier, pour développer l'expertise dont on a besoin. Et puis après, on se dit, avec ça, on va pouvoir construire ce gouvernement ouvert qu'on a besoin. Moi, Cyril, par rapport à la dimension du libre et du propriétaire, ces choses-là, moi, j'ai de la difficulté un peu avec ce propos-là. Parce que, essentiellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qualité-prix en bout de ligne. Mais Pierre-Étienne, je te coupe, parce que Pierre-Étienne l'a très bien dit, ça n'est plus une question. L'affaire est déjà réglée. C'est-à-dire que tout Internet, maintenant, est bâti à 90% sur des technologies libres. Le reste, c'est du baratin. Donc, en fait, on en reparle encore au Québec, et on est consterné de ça. Donc, n'en parlons plus, tu as raison, parce qu'on va regarder ce qui se fait dans le monde. Tout à fait. Moi, ce que je dis, c'est que le client, par la force du marché, comme disait Pierre-Étienne, s'il est bien conseillé en technologie, va de plus en plus, j'espère, choisir des options qui vont être les moins chères, les plus avantageuses pour le bien commun, pour la prestation de services publics. Et pour être interopérable. Puis d'être interopérable nécessairement. Parce que quand on parle de ce qu'on parle actuellement, puis je ne suis pas technologue, je n'embarquerai pas dans le discours technologique, mais le web sémantique, c'est basé à quelque part sur des approches ouvertes. On en est conscient. Donc moi, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est qu'on s'enferme dans des guerres de religion souvent par rapport à ça, et on ne regarde pas assez la valeur ajoutée pour le client. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se mette dans la peau du ministère organisme, qui a des décisions à prendre, qui veut être meilleur, qui est toujours pris pour faire plus avec moins, et qui ne sait pas comment s'y prendre concrètement pour avancer, pour répondre à ces contraintes-là. Il y a des notions d'imputabilité fondamentales dans le contexte du gouvernement ouvert qui doivent être adressées au premier chef. Et donc, comment on fait, nous, comme gouvernement, comment on fait comme ministère pour avancer dans ça? Et c'est là-dessus que nous, on a réfléchi au cours des derniers mois pour en arriver à développer une offre de service qui va être concrète, qui va faire en sorte que le décideur, parce que c'est possible de respecter les choix puis la vitesse à laquelle les gens veulent avancer. On n'est pas obligé d'avoir la grande stratégie de gouvernement ouvert de M. Gautrin, que j'espère qu'on va avoir, sauf que entre-temps, les ministères peuvent continuer d'avancer à partir du moment où on s'entend sur un élément qui est fondamental, c'est savoir où on s'en va. La vision.
qu'on parlait tout à l'heure, la fameuse vision du gouvernement comme une plateforme collaborative, si on pense que c'est une bonne idée d'aller là, ben je pense que localement, comme disait tout à l'heure le conférencier précédent, il a parfaitement raison. Faut y aller avec des étapes, monter les échelles une par une, les bâtons, puis là, être capable de faire en sorte qu'on démontre la valeur de ce qu'on propose par des expériences très, très, très concrètes. Alors, Jean-François, je partage tout à fait ton point de vue, mais il faut dire la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tu ne peux pas bâtir de gouvernement ouvert si le système d'information ne t'appartient pas. Or, actuellement, on a un discours schizophrénique, c'est-à-dire un discours qui dit « oui, on veut aller vers le gouvernement ouvert ». Et deux, il y a la réalité concrète sur le terrain, c'est que les systèmes d'information du Québec sont vendus par morceaux à des multinationales. Et en fait, l'État ne maîtrise plus ces systèmes d'information. Voilà. Moi, on viendra sur les étapes. Ça va être un point sur lequel vous ne vous entendrez pas. Non, mais on viendra sur les étapes, par contre, parce que moi, il y a un momentum en termes d'année, là, je crois, là, dont il faut se parler. Il y a une question du public, question de peut-être... Ben, en fait, c'est une question de moi-même, Nathalie. Ou plutôt un commentaire de moi-même. Oui, parler d'argent, je veux bien, mais je veux aussi parler de la donnée qui est cumulée par les groupes communautaires. Il y a de la belle donnée, là. Je pense, par exemple, au monitoring qui se fait depuis plus de 10 ans, des seringues souillées trouvé à Montréal. Cette donnée croisée-là, avec les poches de pauvreté dont on retrouve la donnée sur les sites gouvernementaux, nous permet de mieux cibler l'intervention en prévention de la toxico, entre autres. Donc, en prévention des méfaits publics qui vont avec. Donc, il y a aussi ça. C'est pas que... Il y a des trucs mercantiles, oui. Ouais. Mais il y a aussi des choses dans la donnée ouverte qui vont permettre de mieux aider le citoyen, qui va améliorer la qualité de vie des plus démunis. Et ça, il ne faut surtout pas le perdre de vue. Non, mais ça, Nathalie... D'ailleurs, je vais juste faire ma petite ligne politique communautaire, socio-gogo, je crois que je m'assume. Ce serait bien que si on a un site de dépôt de données gouvernementales, qu'on ait un endroit aussi pour déposer la donnée communautaire. Mais c'est un point très important. Je voulais parler de l'existence d'une association qui s'appelle Facile pour l'appropriation collective d'informatique libre, qui travaille beaucoup dans ces réseaux communautaires. Beaucoup de projets aussi informatiques. Il faut qu'ils soient soutenus par le gouvernement là-dessus. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été contacté hier par un nouveau groupe, un groupe d'action civique qui lutte contre la collusion et la corruption au niveau municipal et qui me disait « Mais voilà, est-ce que vous voulez bien nous aider ?» Je parle en tant que président de l'appel, l'association professionnelle, est-ce que vous pouvez communiquer ça à vos membres ? On aimerait créer un portail collaboratif pour donner des outils informatiques à tous les candidats pour leur assurer qu'ils vont pouvoir faire de la politique proprement. Et il y a d'innombrables initiatives à tous les niveaux de la société autour de cette question de la réappropriation collective de l'informatique libre. Je crois que c'est la base, la réimplication au niveau municipal des citoyens grâce à ces outils-là. C'est, à mon avis, le terreau sur lequel on va bâtir un vrai gouvernement ouvert au service des citoyens. Juste, encore une fois, pour compléter, à mon avis, quand tu parles de... Parce que tu titilles un peu quand tu parles de tout le volume, les aspects de transparence et... Il faut comprendre que, massivement à travers le monde, les gouvernements qui vont de l'avant dans des approches de gouvernement ouvert font ça aussi pour contrer des problématiques de collusion. Ça, c'est important de le savoir. Oui. C'est factuel, c'est vrai. Le Brésil, par exemple, est un exemple patent de ça. C'est-à-dire que dans l'espace de 30 jours, ils ont réussi à augmenter le taux de confiance des citoyens envers leur gouvernement de façon substantielle. Comment ils ont fait ça? Ils ont lancé un applicatif sur le web qui a permis aux gens, à travers leur téléphone, puis bon, de participer à la décision publique d'affectation des budgets. Puis là-bas, les budgets, c'est pas comme ici, là. Là-bas, c'est des budgets. Quand on parle d'affectation budgétaire, là, c'est pas juste pour les parcs publics, là. La situation économique là-bas est différente d'ici, puis c'est des décisions qui ont des impacts très, très grands sur les citoyens. Et en allant faisant cet exercice-là de façon transparente, le gouvernement a réussi à aller chercher la participation citoyenne, un peu comme le fait au Québec, la ville de Plateau-Mont-Royal, en faisant un petit applicatif pour aller chercher l'idée des gens sur quelles sont les meilleures décisions qu'on devrait prendre, nous, comme décideurs publics. En faisant ça, on va chercher l'implication citoyenne, puis évidemment, on réduit les risques par la diffusion de l'information
de collusion et de problématiques de genre. Oui, parce que Pierre-Étienne et Marc essayent de nous opposer artificiellement. Dans le fond, on est parfaitement d'accord. Non, mais parce que dans le fond, on est parfaitement d'accord, on parle à un autre niveau. Je voulais juste, moi, je pointais, attention, il y a des conditions à la mise en œuvre de gouvernement ouvert, ouais. Il y a à l'ouverture des données, et si on ne veut pas que ça soit artificiel comme discours politique, il faut quand même traiter ces questions de fond. Mais là-dessus, moi, je vais tout à fait... dans ton sens. J'aimerais juste une petite remarque parce que ça m'avait frappé. On dit « Ah, on va mettre en place un réseau social au sein du gouvernement. » Mais la conséquence de ça, ça va être quoi? C'est qu'ils vont demander « mais on veut des outils communs pour pouvoir travailler ensemble. » Pas juste envoyer des petits messages sur notre page personnelle. Bon, donc ce sont des forges. Donc ça veut dire des technologies communes. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'on va avoir des plateformes technologiques. Et c'est normal, parce que maintenant, on le sait, on a des réseaux dessus, on a besoin, on a des processeurs d'espace de stockage, et puis maintenant, on a des outils technologiques qui sont le logiciel libre pour bâtir ces systèmes d'information modernes communs. Donc voilà, quand j'avance que le logiciel libre est une nécessité du gouvernement ouvert, c'est pas seulement une question technique. Marc. Ouais. Bon. Voilà. En fait, moi, là où est-ce que je voulais interrompre Jean-François tantôt, c'est quand, à deux, trois occasions, tu as parlé du client. Oui. Puis le client, dans ta tête, c'était l'organisme gouvernemental ou le ministère. Mon feeling, le client, c'est le citoyen. Absolument. L'utilisateur. Absolument. Et tu as, je pense, assez bien répondu à « What's in it for me? » Mm-hmm. Pour le gouvernement puis pour l'institution gouvernementale. Mm-hmm. « What's in it for me? » pour le citoyen. Pour le citoyen, moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais l'idée, moi, comme citoyen, de me faire dire que je vais pouvoir, pour vrai, enfin, participer à la décision qui me concerne, moi, comme citoyen, moi, ça m'interpelle et ça m'intéresse. Ça part même du niveau local, comme disait Cyril tout à l'heure, au niveau de la municipalité, qui est directement en contact avec les citoyens. Moi, je pense que les gens veulent participer et veulent avoir une chance de participer. Le problème, c'est de leur donner les moyens de participer et d'être d'accord avec le principe. Quand tu es dans l'administration publique, le grand principe du crowdsourcing, d'aller chercher l'intelligence populaire, il y a une grande décision à prendre. C'est que tu décides que l'intelligence des gens peut t'aider à ta prise de décision. Tu es conscient que l'intelligence, tu n'as pas la science infuse et que tu n'as pas toute la vérité et que donc tu peux être meilleur en t'inspirant de ça. Mais ça, le dire... Puis le traduire dans la réalité gouvernementale, c'est pas simple. Mais pour en revenir au niveau de la perspective du citoyen, moi, je trouve que les perspectives sont enthousiasmantes pour le citoyen. Parce que, d'une part, il va pouvoir participer aux décisions. Il va pouvoir avoir accès à de l'information très concrètement. Ce qui se passe à Londres actuellement, là. Si vous êtes un citoyen de la ville de Londres, là, il y a un paquet d'applicatifs qui existent présentement qui vous donnent accès aux informations de performance de l'ensemble de l'administration publique. Hein, les médecins, les écoles. Les gens ont l'information avec des apps pour savoir quelle école est la meilleure dans tel domaine. Okay? Et donc, ils sont capables de prendre des décisions éclairées beaucoup plus facilement avec ces éléments d'information-là. Donc, pour le citoyen, c'est de la valeur ajoutée, pas à peu près. Puis, Nathalie disait un exemple tout à l'heure. Il existe une richesse aussi qui a été développée dans les communautés. Comment on peut faire pour aller s'inspirer de cette richesse-là, de la faire profiter, puis de vraiment... Le nerf de la guerre pour le citoyen, c'est la rétroaction. C'est ça qui est l'enjeu. Quand on parle du gouvernement comme une plateforme collaborative, ça le dit, c'est en collaboration que ça doit se faire. Donc, il faut que tu t'assures que quand tu fais quelque chose, que tu retiens les bonnes idées des gens, que ces gens-là le savent et puissent évidemment rétroagir avec l'État pour que ça soit vraiment constructif. Si tu ne retournes pas cette information-là aux gens, ou encore si tu te fous de ce que tu as fait comme consultation publique, parce que tu décides de toute façon de continuer de faire comme tu le faisais, ça veut dire tout un changement, ça, dans la façon de décider, la façon de gérer l'État. Puis moi, je voudrais juste intervenir là pour faire un peu du chemin, là, ce qui vient d'être dit. En ce moment, la présence qu'on a ici, on l'a expliqué là, d'entrée de jeu, on a fait des consultations en ligne. Pourquoi on les a fait? Ben, en tout cas, on se l'est souvent dit cette année, le médium et le message, c'est interactif, on va agir en conséquence. Bref, une finalité, c'est de venir ici devant des experts se faire dire ce qu'il y en est. Moi, j'aimerais revenir à ces étapes-là de tantôt pour J'aimerais juste, Cyril, que tu expliques ce que tu viens de dire. Le médium et le message. Ouais. Je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de monde qui ont compris ce que tu dis. Là. Rapidement, après ce que je disais, c'est qu'étant donné que c'est un médium interactif, bon, on devait aller de l'avant de la même manière. Donc, on a eu notre consultation en ligne afin de produire notre rapport, au lieu de faire juste un rapport tapé à l'écrit dans notre tour d'ivoire. Puis moi, je vois difficilement, par exemple, une politique du libre, étant donné que c'est un sujet qui a quand même été assez abordé sur notre communauté, se faire autrement.
Fait que moi, c'est pour ça que tantôt, j'ai beaucoup de misère à acheter ce chemin que je trouve très long, de brancher tout le monde à Internet, de faire une politique du libre pour ensuite faire le gouvernement ouvert, alors que moi, je trouve qu'il est quand même la première condition afin d'ouvrir le dialogue, changer la diffusion pour démontrer qu'on parle autrement, on tombe en conversation et là, être à l'écoute des gens. Ouvrir la donnée, comme il disait, demander la rétroaction, tu sais, être en ajustement, être avec le vrai discours. Oui, mais parce que tu as une approche, qu'on dit réimplication citoyenne, on va faire participer les citoyens. Alors, citoyen, il a participé aux consultations web. Deux tiers des propositions, c'est développer l'industrie du logiciel libre au Québec. Alors, on va voir ce qu'on va retrouver dans le rapport. Mais s'il n'y a pas deux tiers du contenu qui va parler du libre, à un moment, les citoyens vont se dire « on me prend pour un con ». Et la prochaine fois, ils ne vont pas participer. Et justement, parce que c'est encore une vision archaïque du gouvernement ouvert. Le gouvernement ouvert, ça change l'État même. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce qu'a dit Nathalie. Dossier de santé numérique du Québec. C'était il n'y a pas longtemps. C'est, on a une citadelle, c'est l'État qui va faire rentrer toutes les données dans un coffre-fort, et puis là, on va avoir des API, et puis l'industrie va se connecter dessus, et tout, etc. On sait ce que ça a donné, là. Il y avait d'autres propositions. Il y avait des propositions, justement, au niveau communautaire, de gens qui disent, mais c'est-à-dire que c'est pas faire participer le citoyen, c'est faire du citoyen un acteur. Et ils ont dit, mais ce dossier, il faut qu'il soit décentralisé, distribué, il faut qu'on l'ait dans la poche numériquement, il faut qu'on ait une clé numérique, un identifiant, et que nous, on va pouvoir se balader avec notre clé, notre carte à puce, et on la rentre, et tout de suite, le médecin va pouvoir consulter notre dossier numérique. Donc, c'est en fait cette vision. On ne veut surtout pas changer l'État. L'État va rester le même, une espèce de citadelle. Et on va faire croire, moi je dis, si on veut faire croire que la participation, juste en mettant des blogs et des forums, c'est ça la participation citoyenne, on va dans la très mauvaise direction. Ça ne marchera pas. Ça marchera pour les grands discours. Mais dans la réalité, à un moment, les gens vont se... C'est important, hein, c'est pas faire participer le citoyen, c'est en faire un acteur de la gouvernance de sa vie. Absolument. Moi, j'achète pas un calcul aussi quantitatif que deux tiers pour un tiers. Non, j'adhère au discours. Je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de choses. Oui, je crois. Ce que moi, je dis, c'est par contre, l'État, tant qu'à moi, doit créer les conditions. Puis moi, je crois qu'avec un gouvernement ouvert, on crée les conditions pour le libre. On n'est pas obligé d'en parler à chacune des pages. Oh, ça, c'est un point pour moi qui est très clair. Non, mais simplement, il y a un discours, comme au Québec, vous savez qu'il y a une situation particulière, c'est-à-dire que, dans un sens, on va dans une direction complètement opposée au discours de l'open gouvernement. Donc c'est un point que je voulais signaler. Je suis président de l'industrie du logiciel libre, c'est pour ça que je le signale. Mais si on regarde ce qui se fait ailleurs, par exemple, juste avec l'exemple français, ce qui se passe actuellement avec la mission Etalab, qui est pilotée par le premier ministre, le gouvernement français a compris l'opportunité que représente l'open data, l'ouverture de la donnée publique, la mise à profit du patrimoine, la création de richesses, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et c'est contrôlé par le premier ministre, parce que je pense qu'on en a parlé plus tôt dans la journée. La gouvernance de la donnée, c'est quelque chose d'important. Puis eux autres, ils commencent à comprendre cette notion-là qui est fondamentale. Moi, je pense qu'il faut qu'on réussisse à élever le débat puis à comprendre ces notions-là pour qu'on arrête de parler de projets d'informatique, là. Puis qu'on parle donc de projet d'organisation, puis qu'on parle donc, on aille donc chercher, parce que c'est ça aussi l'esprit de la loi 133, aller chercher l'implication des décideurs publics dans la gestion de leurs projets pour qu'ils soient plus imputables et être capables d'être impliqués. Mais pour faire ça, on a besoin d'avoir une vision de l'amélioration de la prestation de services publics. Et c'est ce qui a manqué au cours des dernières années. Et là, je pense qu'avec ce qu'on discute ce matin, il y a des éléments de fond qui ressortent, que j'espère que je vais voir dans le rapport Gautrin par rapport au potentiel que représente le gouvernement comme une plateforme, parce que c'est fondamental. La loi 133, c'est bien, mais pour qu'on en arrive à une réelle meilleure gouvernance des ressources informationnelles au Québec, il va falloir qu'on se donne les moyens d'aller chercher l'adhésion de la communauté gouvernementale. Puis cette adhésion-là, je peux être peut-être l'air mercantile de le dire, sauf que les gens n'adhéreront pas si c'est pour leur coûter plus cher que ce que ça coûte présentement. Il faut qu'il y ait des avantages économiques majeurs en termes de prestations de services et en termes de performance publique pour que les décideurs publics embarquent dans le modèle, que les sous-ministres en titre se mettent à se préoccuper et se mettent à s'impliquer dans la gestion de leurs projets. Et ça, c'est la notion de gouvernance d'information qui va amener ça.
Ouais. Il y a Benoît qui vient de prendre le contrôle du micro. Alors, non, mais on est fait. Peut-être un commentaire sur la France, que je connais bien, mon doux pays d'origine. Ça a vraiment commencé d'abord par des technologues qui ont pris conscience que les données étaient importantes. Et donc, il y a eu un cadre d'interopérabilité qui a été publié. C'est ça qui permet le Open Government en France. Donc, si on veut voir le lien avec le Chélèbre, il est direct. En 2008, en France, il y avait 500 000 postes avec OpenOffice de déployer dessus. 500 000, c'est plus que tous les postes du gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, évidemment, on se retrouve avec la capacité de gérer ces données-là librement et de les rendre accessibles aux citoyens. Sur les économies, moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, et je pense que c'est un point où, oui, il y a des panélistes, etc., mais on n'a aucune conscience des contraintes, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on a économisé de l'argent en France ? Aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 million de postes de travail avec LibreOffice. Tous les gens à qui vous allez parler, et maintenant c'est rattaché au bureau du Premier ministre, mais depuis l'année dernière simplement, il y a un groupe de travail qui regroupe tous les ministères et organismes sur l'avenir du poste de travail en France. Et l'avenir du poste de travail en France, je peux vous assurer qu'il ne s'appelle pas Microsoft, quoi, étant donné les actes qui ont été posés auparavant. Et donc, je pense qu'on réagit comme un pays très riche, qui a énormément d'argent. Tout le monde parle de contraintes budgétaires, mais si vous regardez les pays en voie de développement, le Brésil, la Chine, la Russie, la communauté européenne, ils font tous le choix du logiciel libre parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le choix. Si vous prenez les startups qui démarrent aujourd'hui, quand on démarre une startup, on a 0 $, on n'a pas le choix. On prend du logiciel libre et on fait des Google, des Facebook, des Twitter. Donc en fait, l'argument économique qui est avancé, il est spécieux. Et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous en parlez beaucoup. Sauf que l'économie, si on n'avait pas d'argent, je vous assure qu'on ne se poserait pas la question et on n'aurait pas le choix. Et donc ça démontre pour moi tout seul que le fait de mettre des logiciels libres et d'en déployer est rentable, point à la ligne, quoi. On peut arrêter d'en parler aussi, c'est un problème du passé, quoi. Les gens qui n'ont pas d'argent prennent des logiciels libres. Et la crise financière a beaucoup aidé là-dedans et va continuer à aider et à faire des miracles pour les logiciels libres. Mais je trouve dommage qu'en tant que pays développé, qui pourrait aujourd'hui avoir un ordinateur par élève, qui pourrait aujourd'hui avoir un gouvernement en ligne, eh bien à cause des forces ancestrales et des lobbies en place, des intérêts financiers énormes, là on parle de 800 millions de dollars rien que pour le poste de travail, eh bien on ne fasse pas ces choix-là à cause de lobbies économiques qui sont pour l'intérêt de quelques particuliers, mais absolument pas pour l'intérêt des citoyens, qu'on fait semblant de mettre au cœur de nos intérêts, mais sans jamais se demander combien ils payent, qu'est-ce qu'ils payent et pourquoi ils payent. Moi, ce que je répondrais à ça, ce qui est important, c'est le respect. Le respect des choix. Il faut que l'État se donne les capacités d'être libre de ses choix d'avenir. Si dans le patrimoine actuel, on a je ne sais pas combien de postes en Microsoft, ben ils sont là. Bref, je ne sais pas combien il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les États massivement se donnent des stratégies, puis le Québec en particulier, pour avoir la liberté de s'en foutre. Puis je m'explique. Dans le sens où il y a des approches aujourd'hui qui sont en train de se déployer dans certains États, dans certains pays, avec des approches de clients légers, de dumb terminal, des approches de cloud computing qui respectent le choix des personnes, qui font en sorte que toi, tu veux travailler avec du libre, parfait, il est là. L'application n'est plus sur le poste, elle est à quelque part dans le cloud, puis elle te permet éventuellement de faire affaire avec le logiciel que tu veux bien utiliser. Moi, je ne suis pas un technologue, mais je comprends que c'est important de donner puis de respecter le choix des gens qui veulent travailler avec tel outil plutôt que tel autre. Jean-François, très, très rapidement, parce que je vois une autre question. Non, mais un dernier. Alors, je vais donner la parole à Nathalie. Il est juste, en fil. Oui, juste un point. Le député Gautrin, il l'a rappelé, en 2004, a déposé un rapport. Tout à fait. Un rapport absolument magnifique. Le terme gouvernement ouvert n'existait pas à cette époque-là, mais tout y est. Tout y est pour ceux qui savent, qui l'ont lu. Et il ne s'est rien passé pendant 7 ans. Et même, on est reculé. Alors, moi, je dis, si on ne se pose pas les vraies questions, comme le signale Benoît, si on ne comprend pas pourquoi il n'y a rien à changer, j'ai peur qu'il se passe la même chose avec ce rapport. Alors, moi, je veux bien respecter le choix de tout le monde. Simplement, il faut aller au fond des choses si on veut vraiment que ça change. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des décisions à prendre importantes par rapport aux orientations technologiques qui vont permettre l'avènement. Mais ce n'est pas seulement des orientations technologiques. C'est des choix politiques. Aussi des orientations technologiques qui vont être en ligne pour respecter ces prestations de services-là qu'on veut optimales pour la suite des choses. Mais je pense qu'il y a une possibilité actuellement qui n'était pas là en 2004.
ça a évolué depuis 2004. 2004, je pense que M. Gautrin a fait un effort important et je suis d'accord avec toi. Il y a dans ce rapport-là des éléments qui auraient dû être mis de l'avant. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait. Moi, je dis, arrêtons de faire des. Oui, mais il ne faut pas dire pour toutes sortes de raisons, il faut dire lesquelles. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient de ce passé-là, puis voir maintenant qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le potentiel des outils d'aujourd'hui, puis avec des nouvelles visions d'avenir, puis garde, allons-y par en avant. Donc, il faut commencer à construire. Mais comme je l'avais dit aussi d'emblée, je comprends le pertinemment à ce qui est soulevé, c'est-à-dire qu'il faut se poser les questions, oui, d'un ordre technologique ou encore d'un ordre politique. Je vais prendre la dernière question parce que là, c'est pas mal tout le temps. Vous avez quand même assez bien soulevé l'enjeu là, que puisse poser le virage vers l'open data. Est-ce que finalement, il y a une question? En fait, c'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire par rapport à la question du logiciel libre. Le logiciel libre peut encourager l'utilisation des technologies par des populations qui sont vraiment à côté, en marge, entre autres les personnes handicapées. Actuellement, au Québec, les personnes handicapées ont plus ou moins le choix par rapport aux technologies qui leur sont octroyées par l'État. Ça serait intéressant qu'on puisse encourager plus des choix au niveau du logiciel libre pour que ces gens-là aient accès à plus de technologies, parce que les technologies d'adaptation sont extrêmement chères. Peut-être merci. Juste un instant, il y a eu peut-être une intervention, pas sur les médias sociaux. Non. Mais peut-être l'aspect financier, vous n'avez pas commenté du tout le fait que personne ne se pose la question de combien on paye. Puis je pense que pour le citoyen aujourd'hui, c'est des questions qu'on demande. Combien coûte le système d'information de l'État aujourd'hui et est-ce qu'on a les moyens de le maintenir? Oui. Et moi, je ne crois pas qu'on ait les moyens de le maintenir aujourd'hui dans l'état actuel en continuant les erreurs du passé. J'aurais de la misère à adhérer qu'on est un pays riche, là, mais ça, on le soulèvera lors de votre présentation, sans problème. On a une question de médias sociaux, donc on va y aller. Sur le clavardage directement, il y a M. Yves Morin qui demande, par rapport à l'utilisation du logiciel libre, quelles sont les grandes étapes pour le changement de culture? Par rapport à ce que vous avez dit, donc vous avez parlé des défis de l'Open Gov, lui demande par rapport à l'open source, quelles sont les grandes étapes de ce changement de culture pour le gouvernement? D'après vous, pour faire un récapitulatif. Est-ce qu'on parle du logiciel libre ou on parle du gouvernement ouvert? C'est important de d'éclaircir la question. Quelles sont les grandes étapes pour le changement de culture à l'open source? Bon. Voici la question. Bon, si c'est l'open source, je vais laisser mon collègue répondre. Non, mais le changement de culture, il est déjà fait là, dans notre métier. Hein. Il faut bien se rendre compte que 90% de l'Internet s'est bâti sur ce type de technologie, plus que des technologies, hein, sur des modèles d'affaires. Hein. Le logiciel libre, c'est des cadres juridiques, c'est des outils, c'est des méthodologies de développement, c'est une manière de faire l'informatique. Donc je pense qu'il y a un problème de gouvernance. Donc là, c'est un point qui est très important. Ça va venir du politique. Parce que c'est eux qui sont le garant de l'État à 10, 20, 30, 40 ans et ils doivent donner le... Et ça n'a pas été encore fait suffisamment. Ça doit se faire au niveau de la formation, ça doit se faire au niveau d'un soutien au développement d'une industrie en particulier. Ça doit se faire par la mise en œuvre de grands projets, de vastes projets. Là, on annonce des dépenses faramineuses dans le logiciel propriétaire. Il faut reconvertir cette industrie dans l'industrie du logiciel libre. Bon, c'est juste un point, là, parmi d'autres. Comme je le mentionnais, le débat va pouvoir être resoulevé là, en fin de journée. Donc, c'était le temps que nous avions. Il est maintenant midi et demi. Laissons-nous l'heure qui s'en vient. On reprend dès 1h30 cet après-midi. Et je vous y invite, car comme je l'avais dit tantôt, c'est les villes qui vont venir nous expliquer des démarches qu'ils ont faites tant en France qu'aux États-Unis et encore au Québec. Donc, on va regarder un autre volet gouvernemental par où peut s'implanter ce gouvernement. Voilà, merci. Merci. It's a wrap.